Énergie d'été 2015 par Sandrine Laroche Cela fait une bonne semaine que les énergies sont hautes en couleur et en intensité. Mais il ne s'agit pas d'une intensité écrasante, sauf peut-être pour les personnes qui n'ont pas fini leur nettoyage vibratoire. Si vous êtes parvenu à vous harmoniser sur les vibrations cosmiques qui nous parviennent, sans doute êtes-vous heureux, en joie et en osmose avec la nature alors vous recevrez ce que votre enveloppe corporelle sera capable d'assimiler. N'oubliez pas que nous passons d'un voltage de 120 à du 380 V, cela a de quoi nous transformer. Votre vue, vos sens nouveaux sont en éveil. Vous vous sentez vibratoirement parlant en compagnie d'êtres d'amour, bienveillants. Vous percevez sans doute leur forme énergétique et leur couleur. Si votre antenne de clairvoyance est en activité et votre clairvoyance interne doit être davantage aiguisée, cette dernière vous apporte à profusion les informations que vous demandez. Mais en retour, vous vous devez de les partager. Voici les informations qui me parviennent en cette magnifique période. Le voile de la réalité s'atténue au profit de la trame originelle. L'homme va redécouvrir sa véritable structure multidimensionnelle. Sa partie la plus haute vibratoirement lui permettra de suivre les hautes vibrations qui prennent place et n'auront de cesse de progresser jusqu'à la fin du cycle rétrograde dans lequel nous sommes rentrés depuis des millions d'années ou plus. La source fonctionne ainsi, elle s'étale jusqu'à la limite de l'impossible, ne permettant plus à ses étincelles d'avoir connaissance de son existence. Et puis lorsque le moment devient propice au niveau des cycles cosmiques, alors vibratoirement les étincelles reprennent contact. C'est le cycle rétrograde. Il est connu depuis la nuit des temps par l'humanité cosmique. Ce S, reconnu par les initiés, est maintenant prêt à être vécu par tous. Pas d'alarmisme, il ne s'agit pas d'une disparition de cette réalité. Mais une autre réalité peut prendre place si les étincelles originelles se reconnectent. Les étincelles ont dans les temps anciens créé à leur tour des êtres à leur image, sans pouvoir leur donner le lien immortel à la source. Mais la source qui aime créer aime que ces étincelles créent à leur tour. Alors toute création peut arriver à trouver la connexion. La dimension terrestre évolue, mute, la vision d'ensemble des êtres va évoluer, changer. De par ces nouvelles expressions physiques, le corps s'adaptera et avec lui les habitudes et les besoins. La véritable source d'énergie sera une nourriture nouvelle. Le système digestif et respiratoire changera. Ce message a été obtenu par canalisation, le nom transmis est Sananda. Remarque, je ne peux affirmer s'il s'agit véritablement de cette énergie, c'est le nom qui m'a été donné, vous devez recevoir ce message avec le cœur et ne retenir que ce qui vous touche. Restez toujours maître de vos pensées. Bon bain d'énergie.